L'indispensable devoir de mémoire pour que survivent dans les esprits, une fois les témoins disparus, le martyr des habitants d'Oradour-sur-Glane, victime de la folie meurtrière nazie. Jacques Chirac, ce matin, a inauguré ce centre en appelant à la vigilance contre la barbarie. François Privat, Frédéric Grinchec. Émotion perceptible sur le visage du président de la République au milieu des ruines d'Oradour-sur-Glane. Durant plus d'une heure, Jacques Chirac, accompagné de Catherine Trottmann, ministre de la Culture, écoute le récit de Jean-Marcel Dartout, l'un des 6 rescapés du village martyr. J'entendais le bruit de la culasse. Clac, clac. Paf. Clac, clac. Paf. Ça fait une drôle de sensation qu'on ressent, je crois, toute sa vie. Ça. On ressent toute sa vie, cette sensation. Accompagné des enfants de l'école d'Oradour-sur-Glane, Jacques Chirac inaugure le Centre de la mémoire, exposition permanente construite autour de la Deuxième Guerre mondiale. L'occasion pour lui de faire un parallèle avec les massacres du Kosovo et de rappeler que pour la première fois dans l'histoire, grâce au tribunal pénal international de La Haye, un chef d'État en exercice en la personne de Slobodan Milosevic vient d'être inculpé pour crime contre l'humanité. Le 21e siècle, tirant toutes les leçons du passé, sera le siècle de l'éthique. Je l'espère et je le crois. Présence lourde de symboles de Catherine Trottmann. En 1953, l'amnistie des malgré-nous alsaciens qui avaient participé au massacre avait suscité l'indignation en Limousin. Il est évident que Mme Trottmann, qui représente l'Alsace, prouve aussi que la réconciliation est faite et se poursuit. Ce qui est en train de se construire entre Strasbourg et Oradour, c'est sans doute une forme de réconciliation. Oui. Sur le livre d'or d'Oradour-sur-Glane, ces quelques mots de Jacques Chirac, les lieux de mémoire, lieux de souffrance et de violence, nous confrontent à l'avenir autant qu'au passé.